Ah, vous voilà enfin. Sancred, mais où étais-tu passé? J'essayais de repousser les avances un peu trop véhémentes de certains admirateurs. Lorsque j'ai réalisé que le banquet de célébration tournait au vinaigre, j'ai préféré m'éclipser et faire le point sur la situation au calme. On dirait bien que la cité est sous bonne garde. Donner un plus grand pouvoir aux lames de cuivre n'était pas une excellente idée après tout. Les plans de quelqu'un dépendaient apparemment du contrôle de l'endroit par ces sales brutes. Depuis combien de temps ce complot est-il en marche? Des préparations méticuleuses, le déploiement rapide d'unités. J'ai tendance à croire que le général Aldine a raison lorsqu'il dit que tout ceci cache des machinations bien plus complexes. Il y a beaucoup d'anciens mercenaires parmi les lames de cuivre, et les braves du cristal ne sont pas mal non plus. Ça te donne pas envie de te mesurer à eux, Papa Limo? La force de nos adversaires n'est pas vraiment la question qui se pose ici, Ida. L'assassinat de la sultane n'était qu'un élément du complot. Beaucoup d'efforts ont été faits pour discréditer et neutraliser notre organisation. Dans ce cas, on peut considérer que le refuge des roches n'est plus un lieu sûr pour nous. Voilà donc ce que ça fait d'être des fugitifs. La première chose à faire, c'est de trouver un moyen de s'échapper du guépier qui est devenu Ulda. Papa Chan m'a parlé une fois de passages secrets dans les murs du palais. Si je me souviens bien, leur entrée se trouve dans la cheminée des appartements de Nanamo. Ça devrait nous conduire hors de la cité et nous permettre d'éviter toute rencontre indésirable. Bah tiens. Prenez les devants, je vais m'occuper d'eux. Toute seule? Je crois plutôt que tu vas avoir besoin de mon aide. J'ai toujours rêvé de me frotter aux braves du cristal. Ida, Papa Limo. Nous allons les retenir. Dépêchez-vous, trouvez ces fameux passages secrets. Minfilia, nous devons faire vite. Tu vas me le payer! Ça va, Ida? Bon sang, ils sont trop nombreux! Ne t'inquiète pas pour moi! Je pourrais faire ça toute la journée! Et toi, tu t'en sors? Je vais pas pouvoir tenir longtemps! Les héritiers sont ici pour protéger ce continent du mal qui cherche à le détruire. Nous ne laisserons personne nous arrêter. Si vous croyez que nous allons laisser Eorzea être régi par vos maîtres, vous vous fourrez le doigt dans l'œil. Je suis désolée de t'avoir entraîné là-dedans, Papa Limo.
Bah, ce n'est pas la première fois, et je doute que ce soit la dernière. Finissons-en avec eux. J'étais impatiente que tu me dises ça. J'ignorais l'existence d'une telle voie d'eau sous Hulda. Elle a probablement été aménagée pour l'usage que nous en faisons maintenant. L'architecture est plutôt ancienne. Héritée des Sildiens, je dirais. Par ici! Eh bien, ça ne leur a pas pris beaucoup de temps. Ces tunnels ne sont apparemment pas aussi secrets que je l'espérais. Continuez tous les deux. Sancred et moi allons rester en arrière. Qu'est-ce que vous allez faire? Ne t'inquiète pas. Ce qui importe, c'est que la lumière de l'aube continue de briller. N'ayez crainte, Minfilia. J'ai bien l'intention de vous revoir. Mes amis. Allez-y, vite. Les chances ne sont pas vraiment de notre côté. Leur nombre n'importera plus lorsque j'aurai fait s'effondrer le tunnel sur leur tête. Je dois toutefois avouer que je ne suis pas émerveillée par l'idée d'être ensevelie avec toi pour toujours. Nombre de demoiselles tueraient pour avoir cette chance. Tout va pour le mieux, mais je crois qu'il est temps, Yajdola. Je suis prête. Pardonne-moi, Yamitra. Adieu. Douce Minfilia. Aideline, elle s'adresse à moi. Non! Je dois rester ici, seule. Oh bah super.
Je t'en supplie, tu es le guerrier de la lumière, tu es l'espoir pour nous héritiers et pour Eorzea. Tant que ta flamme continuera de brûler, la lumière de l'aube pourra être rallumée encore et encore. Tu dois t'échapper et sauver cette terre des ténèbres qui la menacent. Il n'y a pas d'autre solution. Sans lui, tout espoir est perdu. Bon. Voilà, voilà. Je suis heureux de vous savoir sain et sauf, mon ami. Mais où sont les autres ? C'est compliqué. Maudit Eleji Adeleji ! Il a bien joué son jeu. J'ai vraiment cru que les braves du cristal étaient à mes ordres jusqu'à ce que je sente une épée dans mon dos. Nous aurons tout le temps de discuter de ceci plus tard. Pour le moment, nous devons nous éloigner d'Ulda au plus vite. Et voyez-moi ça. C'est mon ami l'aventurier que les terres enivrent. Ça te dirait de faire une petite promenade en caravane ? Ça fait longtemps, toi. Hein. Bah, l'épisode 1, du coup, quoi. Montez vite. Il faut pas s'éterniser ici. Ouais, go. J'étais en train de me réapprovisionner à la baie des Vêpres lorsque je suis tombé sur votre sœur, voyez-vous. Elle m'a dit que vous aviez des pépins à Ulda et besoin qu'on vous tire de là. Je me suis dit que ces ruines feraient une planque idéale, et j'ai donc commencé par chercher par ici. Et devinez quoi, c'est là que je vous ai trouvé. Si j'en juge par la lueur des lanternes qui venaient de la cité, eh bien je suis arrivé au bon moment. Un peu plus tard, et vous étiez fait comme un rat. Cependant, je dois dire que je n'espérais pas te trouver aussi à cet endroit, mon ami. Et moi qui pensais veiller sur Alizée, j'ai bien l'impression que c'est elle qui gardait un œil sur son grand frère. J'aurais vraiment dû être plus vigilant. À qui ai-je l'honneur, jeune homme ? Le GOAT. J'adore ce perso. Je suis Pipin Tarupin, vice-maréchal des Immortels. J'ai passé ces dernières lunes sur le front Migwa, mais un appel m'a fait revenir d'urgence à Ulda. J'avais à peine foulé le pavé de la Cité d'Or lorsque les cris ont commencé à résonner dans la rue. J'ai immédiatement cherché à en savoir plus et c'est comme ça que j'ai trouvé Messire Alfino.
Son arrestation ne m'a pas semblé justifiée. Ce sont clairement les monétaristes qui sont derrière ce coup. Je savais à quel point ils étaient avares et corrompus, mais je dois admettre avoir été surpris par la manière dont ils ont agi. Vous seriez pas le fils du général, par hasard ? Tout à fait. Son fils adoptif, bien sûr. J'ai appris ce qui lui est arrivé seulement lorsque nous avons quitté Ulda. Une fois que je vous aurai escorté en lieu sûr, je compte bien retourner là-bas et le tirer de cette situation insensée. Vous n'aurez pas à aller plus loin, Cronce Noire. Nos fugitifs ont un ami qui les attend là-bas. Ah. J'avais de grands projets pour le salut des Orsea. Mais en fin de compte, c'est moi qui ai besoin d'être secouru. Oh, Alfino. Par contre, genre, Ronce Noire, c'est vraiment à une minute à pied de, d'Ulda, donc... je sais pas quel détour on est en train de prendre, mais... Je vais continuer à surveiller le pourtour de la cité. Avec un peu de chance, je tomberai peut-être sur d'autres rescapés en chemin. Et quant à vous, un homme de confiance n'aurait pas tardé à vous rejoindre ici même. Et surtout, ne baissez jamais les bras. Continuez le combat, et la lumière au bout du tunnel finira par briller. J'en suis certain. Allez, on y va. Eh bien, on y est très bientôt. Je vous envie vraiment, vous savez. On dirait que vos camarades feraient n'importe quoi pour vous. Ce n'est pas tous les jours qu'un marchand arrête de travailler pour aider quelqu'un, surtout Ulda. Mon père m'a beaucoup parlé de vous, Messire Pran. À chaque fois qu'il me contait vos exploits, je n'avais qu'une envie, celle de vous dire à quel point je vous admire. Quel dommage que notre rencontre ait lieu dans des circonstances aussi tragiques. Messire Alfino, je vous en prie. Vous devez absolument arrêter de broyer du noir. Nos ennemis veulent nous détruire physiquement et psychologiquement. Mais nous ne devons pas les laisser avoir le dessus. Vous avez sûrement l'impression d'être au fond du gouffre en ce moment. Mais essayez de vous concentrer sur le bon côté des choses. À partir de maintenant, la situation ne peut que s'améliorer. Je suppose que vous avez raison. Ouais, vu comme ça... Désolé d'être en retard. Non mais Sid, c'est bon, on savait que c'était toi. Mais Sid, vous ici? Un certain marchand m'a contacté pour me dire que les choses ne s'étaient pas vraiment passées comme prévu durant le banquet. J'ai donc quitté le Mordona aussi vite que j'ai pu pour vous rejoindre. Ouf, nous sommes sauvés. Pour être franc, je sais pas trop ce qui serait passé si on aurait dû passer la nuit dehors. Allons... J'allais pas vous laisser moisir dans le désert, quand même. L'entreprise nous attend à quelques minutes d'ici. Donnez-moi une destination, et je vous y emmène en moins de temps qu'il faudra pour le dire. Le mieux, ça serait de fuir aussi loin que possible d'Ulda et des Braves du Cristal. Mais où ? Bah là, on est recherché dans Trouillorzea, en plus, donc... Je ne vois qu'un seul endroit possible. Le Quertas. Les terres de glace qui abritent la sainte cité d'Ishgard sont bien trop éloignées pour entrer dans la sphère d'influence de nos ennemis. Bien reçu, Alfino. Dans ce cas, autant filer d'ici immédiatement. J'espère que tout ira bien pour vous. En ce qui me concerne, je dois retourner à Ulda pour m'assurer que la situation ne s'est pas trop dégradée. Les héritiers de la 7ème aube ont certainement été mis sur la liste des criminels les plus recherchés des Orzea. Il faut vite que je prenne contact avec les dirigeants de Gridania et de Lumsa Luminsa afin qu'il ne vous arrive rien pendant votre voyage. Lorsque le peuple apprendra que les sauveurs des Orzea sont accusés à tort dans une infamie sans précédent, Aerix ne peut être content du tout. Ça devrait calmer les ardeurs des monétaristes, au moins pendant un certain temps. Merci infiniment, Pipin. Nous comptons sur vous. Mais c'est tout naturel, voyons. Si mon père vous tient en si haute estime, ça ne peut pas être sans raison. Mon devoir est donc de vous aider coûte que coûte. Aussi bien que pour lui que pour Dame Nanamo. Allez, allez-y avant que nous fassions repérer. Let's go. Merci Pipin. Allez vite, montez. On décolle tout de suite.
Mettons-nous immédiatement en route pour le camp de la tête de dragon, Dooley. Notre avenir est entre les mains de Sir Orchefant. Ah oui, heureusement qu'on a encore des bros. Bon. Le fin mot de l'histoire, je sais pas si c'est déjà Evan Sword qui commence ou pas. Ok, c'est la toute dernière quête transition en fait. J'ai reçu un message de notre capitale. Ishgard a subi un nouvel assaut, et apparemment, plusieurs Wyvres ont réussi à pénétrer dans la cité. Les Templiers ont abattu ces créatures. Mais suite à cette intrusion, l'ordre a été donné de renforcer davantage la garde et de placer la ville en état d'alerte continue. La perte des protections magiques des portes du jugement se fait durement ressentir. C'est toutefois une bonne chose que Sir Emrick soit revenu d'Uldar et assure de nouveau le commandement des défenses d'Ishgard. En ce qui vous concerne, je crains que nous ne puissions pas beaucoup vous aider tant que la menace qui pèse sur notre état n'aura pas diminué. Mais garde espoir, mon ami. Toi et tes camarades n'êtes pas sans alliés. Vous pouvez rester ici aussi longtemps que vous le voudrez. Nous pouvons même renommer ce bâtiment en Refuge des Neiges, si le cœur vous en dit. Plus sérieusement, ceux qui vous poursuivent n'obtiendront aucune aide de la part de la Maison Fortan. La réputation des Ishgardais d'être peu hospitaliers nous fournira un bon alibi. Les agents d'Ulda se verront refuser toute demande de renseignement et ne pourront venir enquêter ici tant que votre innocence n'a pas été rétablie. Tu as combattu auparavant pour préserver l'honneur d'un de mes proches amis, et c'est avec plaisir que je te rendrai l'appareil. Mais nous avons assez parlé de tout ceci. Va donc rejoindre tes camarades. Il fait bien froid aujourd'hui. Et je suis sûr qu'ils apprécieront d'autant plus la chaleur de ta présence. Bon bah voilà, hein. Ça va être la fin. Oh, Dooley, Alfino, vous êtes là aussi? Excusez-moi, j'ai pas dû retenir mes larmes en voyant ça et sauf. Une fille et les autres, ils ont tous disparu. Et me suis retrouvée toute seule dans ce lieu si froid. Je ne savais pas si je vous reverrais un jour. Vous vous souvenez que j'étais restée à une seule mince pour faire des courses, n'est-ce pas? Eh bien, figurez-vous qu'un individu vêtu de l'uniforme de Bart Cristal m'y a agressé. Lamine a réussi à le repousser tant bien que mal, et j'ai pu m'enfuir. Mais j'étais tellement désemparée que je me suis perdue. Et c'est là que j'ai eu un gros coup de chance. Oui, heureusement que je patrouillais dans le coin. Si vous avez mis la main dessus, les braves de cristal ne vous auraient pas fait de cadeau. C'est la première fois que vous voyez mon visage, n'est-ce pas? Vous n'auriez pas ce plaisir si je n'avais pas perdu mon capuchon dans le feu de la bataille. Eh oui, la révélation. Merci encore, dame Yuvieri. Grâce à votre protection, j'ai pu revenir au refuge de sable pour alerter une urgence de la situation. Je n'ai qu'ensuite que nous sommes arrivés toutes les deux ici. Oh, vous en faites pas pour Uriogé. Il a déployé une barrière magique autour du bâtiment pour donner l'illusion à quiconque voudrait pénétrer qu'il est inoccupé. L'attaque impériale sur le refuge de sable aura au moins servi à une chose. Nous forcer à mettre au point un système de défense qui s'est révélé plutôt utile. Seulement, on ne peut pas en dire autant du refuge des roches. Le lieu a été complètement mis à sac par les braves du cristal. De plus, mes hommes n'ont retrouvé aucune trace des autres héritiers. Enfin. Je suppose qu'il vaut mieux nous réjouir que vous soyez tous les deux en vie. À présent, je vous prie de m'excuser, car je dois encore organiser mes troupes en vue de récolter un maximum d'informations sur cette affaire. Avant de partir, vénérables amis, je tiens à vous renouveler tout mon soutien. Pour les Domiens, les héritiers de la 7ème aube sont comme des frères et des sœurs. Vous pouvez être certain que je vous recontacterai dès que j'en aurai plus. Merci, Yugiri. Tout est de ma faute. J'ai cru être le seul à vraiment comprendre les mots qui touchaient Orzea. Et voyez ce que cette arrogance a apporté. J'ai donné des ordres, influencé les dirigeants des États avec mes certitudes. J'ai traité les braves du cristal et les héritiers de la 7ème aube comme les pions de mes grands projets pour sauver ce continent et ses gens. Mais dans ma quête aveugle de gloire imaginaire, je n'ai pas fait attention au sol que je foulais.
Qu'est-ce que je cherchais à accomplir au juste? Étais-je assez vaniteux pour croire que je pourrais débarrasser Eorzea de tous ses problèmes et de ses dangers? Que je vaincrais l'Empire et les Assiens? Que je trouverais un toit pour tous les réfugiés? J'étais persuadé qu'il suffirait d'appeler les gens à devenir les protecteurs d'Eorzea et de les regarder nettoyer toute trace du chaos sans avoir à me salir les mains. Tout ceci n'était qu'un moyen de flatter mon ego. Et ce n'est que maintenant que tout est perdu que je réalise ceci. Alfino ? Messire Alfino, cela vous réjouit-il d'être comme une lame brisée ? Y a-t-il aucune flamme assez brûlante pour vous reforger ? Qu'en est-il des braves compagnons qui restent à vos côtés ? J'ose croire que le feu de leur volonté vous permettra de fendre l'air à nouveau avec votre vivacité d'esprit habituelle. Je ne mérite pas une telle amitié. Et puis, où irions-nous ? Alfino, si je peux me permettre... Si cet endroit ne nous convient pas, alors... Alors nous irons à Ishgard. Minfilia me l'a souvent répété. Tant que nous ne baisserons pas les bras, le flambeau de l'espoir ne s'éteindra jamais complètement. Que ce soit dans la neige ou dans les nuages, le peu que nous sommes fera tout pour que la lumière de l'aube brille de nouveau. Oui. Tu as raison, Tataru. Merci. Et merci à vous aussi, Sire Orchefan, pour vos gentilles paroles. En effet, Eorzea a encore ses vrais protecteurs. Les héritiers ont accompli beaucoup de choses, et il serait orgueilleux de ma part de l'oublier en m'apitoyant sur mon propre sort. Reprenons ensemble notre périple, mes amis. Et voilà. Fin d'ARR, enfin. Ça a pris du temps. Ah là là. Bon bah j'espère que ça vous a plu. Sachant que, bon, en général, les gens aiment pas spécialement ARR. Ils trouvent ça un peu trop long, un peu trop mou. Et l'intrigue se met vraiment en place vers la fin. Ce qui est pas tout à fait faux. Hein. Mais en tout cas, ce que je peux vous assurer, c'est qu'à partir d'Evensward, tout ce qui est scénario, mise en scène, voilà, là on va y aller crescendo, ça va être de mieux en mieux, au fil des extensions, hein, c'est vraiment Evensward, Stormblood, Shadowbringer, Endwalker, c'est juste incroyable quoi, ça s'arrête pas, c'est les émotions, t'en prends plein la gueule, c'est vraiment trop bien, plein de révélations sur beaucoup de choses, les questions que vous posez sûrement par rapport aux Asiens et tout le reste. Et j'espère qu'on va être aussi bien gâtés pour Dawn Trail qui sort dans un peu plus d'un mois maintenant là, à l'heure où je tourne cet épisode. En tout cas, c'était cool de revoir un ARR version coupée, plus rapide, quoi. Ça m'a fait rappeler aussi certains trucs par rapport à des bouts de scénario que j'avais peut-être plus ou moins oubliés. Ah, et Kelly Maro qui passe pour Kanesana, hein, ma doubleuse préférée. Bon, techniquement, je peux appeler les crédits. Hein. Il y a une petite scène, normalement, juste à la fin. Tout a été arrangé comme vous le vouliez, Seigneur Lolorito. Le random...
Pauvre Ban. Tiens, ça fait longtemps, là. La Brianès a été éliminée. Son orgueil aurait eu raison, lui. Voilà ce qu'il en coûte de vouloir rater la venue de l'Ardor. Nous allons devoir être plus vigilants. Les humains sont tout de même parvenus à se débarrasser d'un immortel. L'être éveillé doit faire son entrée en scène en tant que simple humain au plus vite. Cela va sans dire. Toutes les conditions sont réunies. Le clou va frapper en plein cœur du Grand Nord. La guerre fait rage depuis des siècles dans les terres enneigées. C'est sans aucun doute le terrain le plus propice pour faire émerger le chaos et franchir une nouvelle étape dans le processus d'union entre l'humain et le divin. Ton plan semble parfait, mais la résurrection des Ordiark passe avant tout. Tu n'as nul besoin de me le rappeler. Je suppose que je dois m'estimer heureux d'avoir reçu une invitation de votre part. Que me vaut cet honneur ? Je voudrais parler de destin, du vôtre, du mien, et de celui de cette planète. Tu crois vraiment que tu trouveras un refuge là-bas? Pas trop de choix. Folie, désespoir, mort. Voilà ce qui t'y attend. Ouais, ça a l'air fun. Porteurs de la dernière lueur de l'aube, les héros se dirigent vers les terres du Nord. Leur cœur empli d'espoir et les yeux rivés vers les cieux. Et voilà! C'est officiellement terminé. Bon. Bah écoutez, ce fut un plaisir de partager cette première partie de Let's Play avec vous. J'essaie de faire au plus vite pour Ravensward, sachant qu'il faut quand même que j'y aille assez rapidement pour débloquer Chevalier Noir et gratter les 20 levels qui me manquent. Comme je vais dire, c'est une petite pause pour Dooley, car je suis censé faire aussi quelques épisodes sur FF11, pour préparer justement un raid qui viendra dans Dawn Trail, pour apporter du lore quoi. Mais ça sera pas très long, normalement. Donc dès que j'aurai terminé ça, on repassera sur Ravensward. Faut que je refasse l'intro des vidéos, ce sera pas la même. J'en fasse aussi mon template des Minia. J'ai plein de trucs à faire en fait. J'ai plein de trucs à faire au propre avant de vraiment me relancer dedans dans Ravensward. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Hein, que tout ce let's play vous a plu. Et évidemment, pour m'aider, n'oubliez pas de vous abonner si c'est pas le cas. Hein, et de commenter les vidéos aussi. Moi, j'adore parler avec vous à chaque fois. Et voir vos commentaires, ça me motive encore plus à continuer. Et donc, comme d'habitude, portez-vous bien. Prenez soin de vous, prenez soin de ceux que vous kiffez, et on se revoit très bientôt. Ciao, ciao !